David et Boutou le défend. Une balle dans la tête pour un refus d'obtempérer. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Et la conclusion des Républicains, la mère aurait dû obtempérer. Précision non inutile, obtempérer dans le cas présent ce n'est pas présenter ses papiers ou ceux du véhicule. Mais donner de l'argent aux gendarmes, le corrompre par ce qu'il demande à être corrompu sans raison d'ailleurs. Voilà donc des gens qui reprochent à une mère dont l'enfant vient d'être assassiné, de n'avoir pas accepté de corrompre un gendarme pour rien. Ces mêmes personnes à aucun moment ne condamnent le gendarme ni pour l'abus d'autorité, ni pour l'usage excessif de la force. Pour eux, c'est très normal d'arroser de balles, une voiture qui refuse de donner la bière. Ce sont ces mêmes personnes qui se disent républicains, libérateurs d'énergie, et veulent que nous leur confions la gestion de tout un pays. De l'énergie il nous en faut, mais prenons garde à celles qui nous consumeraient car une fois lâchées, nul ne sait quelles seront ses limites, si elles en auront d'ailleurs. La terre tourne, et Dieu voit tout. La majorité des Camerounais se demandent toujours si le Zanloa Amougou Belinga qui enferma ce docteur d'un autre genre n'avait pas raison. Bien sûr que Ebutu veut sa part. Mais pas avec ce cynisme légendaire. Même Jamène a un peu de retenue. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, Boudman, sur le site www.camertv.info. À bientôt pour de nouvelles publications.